Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2024 pour le signe du cancer. Donc, comme pour tous les autres signes, je vais faire l'horoscope de ce signe pour les trois décans. Donc je rappelle que à chaque vidéo que l'horoscope traditionnel, enfin ce qu'on fait tous les ans, ça s'appelle un horoscope solaire ou au général. Donc ça ne remplace pas forcément une consultation avec un astrologue avec votre thème personnel qui sera beaucoup plus précis en fait, beaucoup plus détaillé. Là c'est vraiment un aperçu général on va dire des aspects planétaires, sachant qu'il peut y avoir des contradictions selon votre thème ou des affirmations. Donc à voir après selon comment s'étudie votre thème, mais là il faudrait consulter un astrologue, donc moi ou un autre. Donc on va faire donc les trois décans. Donc le premier décan, donc c'est les natifs du 22 juin au 2 juillet de manière générale selon les années bissextiles. Le deuxième décan, c'est les natifs nés du 2 juillet au 12 juillet. Et les troisième décan, les natifs nés du 13 au 23 juillet. Donc on va commencer par le premier décan du signe du cancer. Alors les premiers décans, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire donc sur vous pour cette année? Alors vous aurez votre soleil déjà qui fera un quinconce à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Donc ça peut donner un léger, alors c'est un aspect mineur, donc ça donne un léger sentiment de régénérescence, hein. Vous allez vous sentir un peu, il y a besoin de changer des choses en fait dans votre vie. Mais voilà, c'est un aspect mineur, donc vous ne sentirez pas forcément les effets, c'est très subtil. Voilà, on peut être un peu déstabilisé, il peut y avoir peut-être des petites choses qui peuvent vous arriver cette année, qui peuvent un peu transformer votre vie de manière radicale. Alors tout se fera dans l'évolution, dans le temps, et c'est surtout les natifs concernés, on va dire, de début du signe, hein, ceux qui sont nés, on va dire, entre le 22, 23 à peu près, juin. Voilà, c'est surtout vraiment ceux qui sont nés en début de signe qui sont peut-être un peu impactés par cet aspect, mais il reste très mineur, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ensuite, on a le Soleil Trigone Saturne en Poisson du 1er janvier au 2 mars. Donc là, en revanche, vous avez un bon aspect là pour construire des choses, pour bâtir voilà, des choses durables hein, en fait dans le temps. Donc, tout dépend encore une fois de votre thème. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails malheureusement dans quel domaine de vie. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour des relations affectives. Ça peut être pour par rapport avec la famille, le foyer, l'immobilier, que sais-je, les relations, enfin ça peut être plein de choses. Donc le Saturne parle souvent de travail, donc il peut y avoir un lien avec là-dessus. Et Poisson, bah, c'est souvent en lien avec un idéal qu'on veut souhaite bâtir. Donc pourquoi pas quelque chose d'important. Alors ça peut être une relation avec un homme, par exemple, le soleil, un père, un mari ou une autorité aussi. Ensuite, vous aurez Soleil sextile Jupiter en Taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, un bon aspect également donc, pour la croissance, pour l'épanouissement, peut-être sur le plan matériel en taureau, peut-être une gratitude financière, des avancées à ce niveau-là. Donc on se sent bien dans ses baskets, optimiste, enjoué, comment dire, bien dans son corps, dans son esprit. Donc il y a vraiment un aspect, on va dire, d'enthousiasme en fait. Et on se sent. Bon enfant, bien ancré dans la terre, en taureau, donc il y a quand même un aspect de propriétaire terrien aussi qui peut se faire, côté très matérialiste. Mais voilà, c'est en début d'année, donc il peut y avoir voilà, peut-être des opportunités à ce moment-là, financières ou autres, qui peuvent vous épanouir. Ensuite, on rentre dans donc, les aspects à Mars, hein, déjà. Donc ça, c'était pour les aspects, on va dire, majeur des planètes lentes. Donc ensuite on a votre Soleil qui sera opposé à Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Donc là en revanche faites attention aux colères, comment dire, aux disputes. On peut se sentir un peu agressif à ce moment-là, c'est tendu. Donc attention de ne pas rentrer dans des disputes, des rapports de force. Alors ça peut être avec l'autorité, ça peut être dans le travail en Capricorne. Il y a un côté un peu dur là, ce qui peut vous blesser du coup, hein, parce que vous qui êtes un être sensible de manière très générale, c'est vrai que Mars en Capricorne qui est exalté là, on peut sentir des choses assez dures peut-être à ce moment-là, donc faites attention à vous. Ensuite, on a le Soleil quinconce Mars en Verseau du 14 au 27 février, donc là en revanche,
Petite légère tension, on va dire, dans les rapports de groupe, de communauté, avec les amis, par exemple, en Verseau, mais pas que. Donc, ménagez-vous, attention de ne pas vous blesser aussi, de ne pas être rentré dans des débats stériles ou voire conflictuels. Donc, on peut être un peu, voilà, on peut être un peu légèrement sur les nerfs, mais c'est vraiment mineur. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Poisson du 23 mars au 5 avril. Donc là, en revanche, très bonne énergie pour agir, pour avoir de l'entrain, pour les actions diverses et variées, pour un idéal. Donc on peut agir en fonction de ses idéaux, de ses rêves, de ses aspirations. Donc suivez votre intuition, ce sera fructueux pendant cette période. Donc vraiment un aspect intéressant là pour dépenser son énergie et agir vraiment en fonction de sa volonté, de ses intérêts. Ensuite, Soleil carré Mars en Bélier du 1er au 14 mai. Donc là, à nouveau, attention au risque de tension nerveuse, de colère, de dispute, de peut se blesser aussi. Ménagez-vous, faites du sport pour dépenser peut-être une énergie assez forte, trop plein d'énergie. Donc là, il sera intéressant d'être prudent dans cette période, hein, parce qu'on peut tomber vraiment dans un schéma un peu conflictuel. Ensuite, Soleil sextile Mars en Taureau du 10 au 23 juin. Donc là, en revanche, c'est encore une fois une bonne énergie pour agir, pour établir des choses concrètes, matérielles, productives. Donc c'est intéressant peut-être sur la relation avec un homme, une autorité, un père ou quelque chose, ou tout simplement pour dépenser son énergie de manière comment dire, intéressante avec des résultats à la clé et fructueux. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, Mars c'est dans votre signe. Alors on dit que par tradition, Mars n'est pas trop à l'aise en Cancer, hein, il est un peu en chute. Mais voilà, tout dépend des aspects qui recevra cet aspect dans votre thème. Donc là, en l'occurrence, ça peut être un aspect assez intéressant pour le dynamisme, agir en fonction de ses émotions, de son humeur. On peut être inspiré pour telle ou telle chose qu'on veut faire. Donc suivez encore une fois vos ressentis. La relation avec la famille aussi peut avoir une importance à ce moment-là, pourquoi pas en cancer. Et s'il y a des mauvais aspects, attention encore une fois au risque de querelles, de disputes en famille ou autre. Ça peut être assez préjudiciable pour vous si vous recevez des aspects assez conflictuels à ce moment-là. Ensuite, Soleil carré Nœud Nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc là, deuxième partie de l'année où vous aurez peut-être un schéma de vie pour l'évolution. Qui peut apporter des choses un peu compliquées, c'est-à-dire que pour l'évolution de vie, on peut être amené à vivre peut-être des troubles, des choses un peu, peut-être, à s'affirmer plus, avoir un problème entre l'affirmation et votre soleil en cancer qui est assez fragile, on va dire, entre guillemets. Donc il faudra prendre peut-être sur soi, et des fois ça peut être un mal pour un bien, hein. Il y a peut-être des épreuves à vivre pour avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. Et enfin, Soleil carré Lune noire en balance du 30 juin au 27 septembre. Donc là, attention au manque, un sentiment un peu de solitude, dépression, de dépréciation, pardon. On peut se sentir un peu dévalorisé, ou alors un manque envers les relations. Hein. La balance représente le couple, la relation. Donc il peut y avoir ce manque avec la Lune noire. On a envie de combler un certain manque. On le recherche, mais on ne le trouve jamais. C'est comme un puits sans fond qu'on voudrait combler. Et c'est vrai que pendant cette période, on peut se sentir un peu. Comment dire ouais, il peut y avoir un problème au niveau des relations harmonieuses, en fait. On se sent un peu délaissé, quelque part. Donc il peut y avoir des choses à revoir à ce niveau-là. Alors, ça peut être aussi un côté karmique dans le couple, ou avec le père, tout simplement. Ou un homme, un mari, etc. Donc à voir selon les vies de chacun et selon le thème de chacun. Donc voilà pour les premiers décans. Alors ensuite, donc, on va parler du deuxième décan, donc du signe du Cancer. Donc qu'est-ce que vous aurez? Donc vous aurez votre Soleil de naissance qui sera sextile à Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars environ. Donc là, ça apporte beaucoup d'indépendance, d'originalité. Vous vous sentez vraiment libre. Il y a une sensation, voilà, un peu de sortir des sentiers battus, comme on dit. Donc on peut se sentir voilà, pendant cette période comme un peu une joie de vivre, d'être un peu plus excentrique aussi, se permettre des choses qui changent un peu des habitudes, on va dire. Alors ça reste quand même en taureau, donc il y a quand même une notion de peut-être de constance, mais dans cette constance, il peut y avoir des choses un peu nouvelles qui se mettent en place. Donc soyez attentif à ce qui peut se présenter à vous de manière un peu imprévisible.
Hein, avec Uranus, c'est toujours quelque chose qui peut être un peu soudain, prévisible, mais dans le bon sens du terme. Donc il peut y avoir vraiment des opportunités intéressantes. Alors après, il faut voir dans quel domaine de vie que c'est. Ça peut être tout sur le plan financier, relationnel, matériel ou professionnel ou autre. Mais en tout cas, voilà, des choses intéressantes à vivre. Et vraiment, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus à ce moment-là, de prendre des opportunités, même si elles peuvent paraître un peu décalées, on va dire. On peut avoir un sentiment de liberté aussi avec un homme, un père, un mari ou autre. Ensuite, vous avez le Soleil Trigone Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc là, pendant presque toute l'année, hein, une bonne partie de l'année. Donc là, très intéressant encore une fois pour construire, pour établir des projets sur du long terme, quelque chose de constructif, de durable. Donc ça peut être des projets avec un homme, un mari, un père, une autorité encore une fois, ou même en vous. Pour tel ou tel domaine, hein, que ce soit le travail, la famille, l'argent ou autre, hein, selon votre thème. Donc il peut y avoir des constructions là assez idylliques, hein, un peu idéalisées, qui peuvent porter ses fruits. On peut construire un peu des choses qu'on. Et avoir un côté un peu plus sérieux aussi. Hein, comme vous êtes un signe plutôt dit sensible, et là il y a un côté sérieux qui. Et comment dire. Qui vous permet d'aller au fond des choses, d'être persévérant, d'aller au bout de vos objectifs. Donc il y a quelque chose de très serein et stable là, qui peut se mettre en place là. Ensuite, Soleil sextile Jupiter en Taureau du 22 février au 14 avril. Alors, encore une fois, là, c'est positif pour la croissance, pour l'épanouissement, pour se sentir à l'aise, bien dans ses baskets, dans sa peau. Donc on a envie de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait, être épanoui. Ça peut être dans les relations, en amour. Au niveau, on peut avoir des gains matériels qui avancent. Donc ça peut être dans vraiment des domaines divers et variés, hein. Encore une fois, c'est vraiment général malheureusement. Mais ça sera à suivre donc du coup si vous consultez un astrologue. Ensuite, Soleil opposé Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc là, attention en ce début d'année de ne pas être trop sur les nerfs, de faire attention à votre. Comment dire, à votre énergie, parce que vous vous sentez un peu en tension, donc il peut y avoir des actions un peu dures en Capricorne, on peut se sentir un peu rigide, ou on peut sentir une certaine rigidité de la part d'une autorité ou d'autrui. Alors attention de ne pas rentrer en conflit, quoi, en être dans une relation conflictuelle avec les autres, parce que c'est une période un peu propice à ça, donc attention à vous. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Verseau du 27 février au 10 mars, donc là encore une fois, on peut. Une légère tension, mais bon, c'est un aspect mineur, donc c'est pas grave hein, du tout. En Verseau, ça peut avoir un rapport avec les groupes, tout ce qui est en rapport avec le collectif. Donc faites attention si vous êtes, je sais pas moi, dans une manif, dans un rapport en relation avec des amis, des gens divers et variés, des groupes, quoi. Il peut y avoir peut-être des tensions à ce moment-là, pourquoi pas. Si vous voulez. Convaincre certaines idées aussi, agir pour des idéaux, enfin pour refaire le monde, pour refaire des choses de manière aussi originale, pas toujours bien accepté dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, hein. Ça peut paraître décalé pour certains, un peu dérangeant. Bon, c'est un exemple, ça peut être plein d'autres choses, mais vous voyez, c'est un peu un esprit voilà, où on peut être un peu dans la querelle légère. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Poisson du 5 au 18 avril, donc là, en revanche, bonne énergie. Pour agir en fonction de vos idéaux, pour faire vraiment ce que vous sentez, votre sixième sens, votre intuition, votre petite voix intérieure, suivez-la, parce que là, ça va bien fonctionner. Vous serez, comme on dit, vous serez sur les rails, donc ça sera vraiment positif pour vous à ce moment-là. Ensuite, Soleil carré Mars en Bélier du 15 au 26 mai. Donc là, en revanche, attention encore une fois au conflit. Mars en Bélier, la planète est chez elle en domicile, donc là vraiment une énergie forte, une énergie active, puissante, franche, directe. Et donc là attention de ne pas rentrer en conflit direct avec les gens, en allant droit au but. Alors c'est bien hein, d'agir, mais faire attention de ne pas sentir l'agressivité et de ne pas tenter une autorité. Par exemple, le Soleil peut représenter un homme, un père, un mari, une autorité. Donc attention de ne pas rentrer en conflit, surtout avec des figures paternelles ou figures de ce type-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Taureau, du 23 juin au 6 juillet. Donc là, la planète est en exil en Taureau, mais c'est un bon aspect, donc on va en dire du bien. Donc plutôt un aspect positif, hein. Donc du coup, pour agir, pour être productif, pour faire d'agir en fonction de vos intérêts,
de ce que vous avez envie de faire. Donc il y a vraiment une bonne énergie qui circule. Donc utilisez-la à bon escient et n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Cancer du 23 septembre au 12 octobre. Donc là, la planète est chez vous, donc un peu on dit en exil, en chute, pardon, donc elle n'est pas trop à l'aise. Donc on agit en fonction de son ressenti, donc peut être un peu changeant en Cancer, hein, mais il y a quand même selon les aspects qu'elle reçoit, ça peut être plus ou moins bien. Donc en bon aspect, on dirait que ça va plutôt être une conjonction favorable. Vous aurez beaucoup d'envie d'agir. Alors, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur d'autres domaines, mais le Cancer représente souvent ça. Donc agissez vraiment en fonction de vos ressentis, encore une fois, c'est positif. Et si on reçoit plutôt des mauvais aspects, malheureusement, faites attention, parce que vous pouvez sentir un peu d'agressivité, un peu de friction, peut-être des conflits familiaux, pourquoi pas. Donc soyez attentif et un peu prudent à ce niveau-là. Ensuite, Soleil sextile Lune noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, c'est plutôt positif pour comment on pourrait dire ça? Donc pour établir des choses au quotidien, hein, pour sublimer, on va dire, des manques. Avec la lune noire, il y a un aspect karmique, un aspect un peu psychologique qui est assez imperceptible aussi, c'est assez particulier. Donc on va dire que c'est un aspect qui permet de remplir certaines. Enfin, combler des dettes karmiques, on va dire, essayer de trouver un exutoire en fait par rapport à peut-être certains manques qui peuvent avoir lieu dans votre quotidien, votre travail ou autre, dans votre façon de faire, dans des tâches ménagères, hein, ou des tâches diverses et variées que vous avez l'habitude de faire. Et à trouver des choses qui peuvent corriger ça. Alors, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hein. Là, je prends vraiment par rapport aux signes, mais il faudrait voir dans votre maison, dans quelle maison cela tombe, cet aspect, qui sera intéressant de voir, voilà, pour avoir un peu plus de détails à ce niveau-là, parce que là, ça reste très, très, très abstrait, j'en conçois. Ensuite, vous avez Soleil carré Lune noire en balance du 28 septembre au 31 décembre. Donc là, encore une fois, l'aspect à la Lune noire, alors cette fois-ci, crée un manque. La dette karmique est plutôt négative, donc elle peut créer des manques envers le relationnel, ça peut être dans le couple, ça peut être un rapport avec le mari, le père, il peut y avoir des manques, des dettes, des problèmes, des troubles, quelque chose de pas clair, des choses à régler. Donc on recherche une harmonie, des relations, mais c'est pas toujours très clair, ou peut y avoir des problèmes, et voilà, on peut se sentir aussi un peu dévalorisé, délaissé, enfin il y a un peu cet aspect-là qui ressort. Hein. Tout dépend encore une fois de votre thème, hein, bien sûr. Si c'est plus ou moins fort, si vous l'avez forcément dans votre thème au natal, ça va être assez fort. Si vous l'avez pas, c'est pas forcément quelque chose d'important. Alors, Soleil carré plus Chiron en Bélier, pardon, du 1er janvier au 18 avril et du 13 novembre au 31 décembre. Donc là, ça parle plus de blessures, on va dire, de l'âme, des blessures, comme on dit, de la santé. Ça peut être physique aussi, en hein, Bélier, hein, on peut se blesser. Attention à votre Soleil peut parler du cœur, mais c'est pas que. En Cancer, ça peut être émotionnel, ça peut être des blessures émotionnelles, des choses qui peuvent nous toucher. Hein, les mots, ça peut blesser parfois, ou des actes en Bélier. Donc peut-être faire attention en début d'année et cette fin d'année, ou peut-être plus sensible, accoutumé à vos relations. Donc faites attention dans ce que vous allez faire, agir ou échanger avec autrui. Et des mots que vous pouvez dire, ou recevoir. Ensuite, Soleil carré Nœud Nord en Bélier du 18 janvier au 24 juillet. Donc là, encore une fois, attention à, comment dire, à votre affirmation. Alors, il y a besoin de s'affirmer, mais ça peut être assez contrecarré par la volonté d'autrui, par exemple. Donc il peut y avoir un problème pour s'affirmer, pour aller de l'avant. On peut être dépendant. Hein. Si le Nœud Nord en Bélier, le Nœud Sud en Balance, donc il y a vous vous trouvez entre les deux, vous êtes balancé, si vous voulez, tiraillé entre ces deux axes, ces deux pôles. Donc entre le besoin de coopérer et de s'affirmer, donc il peut y avoir cette tension. Alors ça peut avoir un rapport avec un homme aussi, un mari, une autorité ou que sais-je. Donc il y a ce besoin peut-être de passer par des choses un peu peut-être compliquées, voire difficiles pour pouvoir s'affirmer. Ça peut être souvent, comme on dit, un mal pour un bien, pour votre évolution karmique, votre évolution de vie. Donc voilà pour le deuxième décan du signe du Cancer. Et donc enfin, donc j'ai parlé du troisième décan donc du signe du Cancer. Alors qu'est-ce que vous aurez donc vous? Alors il y a votre Soleil qui sera opposé à Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Alors donc c'est un aspect que les derniers décans, on va dire vraiment tout dernier décan, auront à vivre. Hein, donc je pense aux trois derniers degrés degré du Cancer, hein, donc ceux vraiment nés vers le 20, 21, 22, 23 juillet, on va dire, ou 24 juillet éventuellement, selon les années. Donc là, vous aurez à vivre encore une fois peut-être un aspect qui est assez difficile, hein, qui a duré depuis, on va dire, 1 ou 2 ans déjà,
au moins, qui vous a quand même bien plombé, bien, qui peut être un aspect qui vous a transformé, qui met dans le mauvais sens du terme. Ça peut être des déchirements, des choses difficiles à vivre. Dans le pire des cas, ça peut être une maladie ou des pertes de relations ou autres, donc qui a permis de vous peut-être vous transformer, de revivre sur un nouveau jour. Donc vous avez encore besoin peut-être d'épurer cette dette, hein, cet aspect karmique, on va dire, cet aspect assez conflictuel, assez compliqué, qui peut encore malheureusement avoir lieu cette année, et après vous serez débarrassé, car Pluton passera en Verseau définitivement, donc vous le sentirez plus, ou beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, c'est une dernière année assez compliquée, on va dire, à vivre sur le plan voilà, personnel, hein, vraiment des choses peut-être. Alors ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être des problèmes de travail, des fins de cycle. Peut-être même dans le pire des cas, le décès d'un homme ou d'un père ou que sais-je, mais bon, pas forcément jusqu'à là. Après, c'est difficile à voir, hein, à ce niveau-là. Mais voilà, ça peut être des choses peut-être assez compliquées à vivre encore une fois cette année. Voilà, intérieurement. Ensuite, vous avez quand même des bons aspects, hein, rassurez-vous. Vous avez le Soleil Trigone Neptune en Poisson, donc toute l'année. Donc ça compense quand même un état de fait où il y a un espoir, hein, qui est ainsi qui plane au-dessus de vous. Hein, il y a quand même voilà, des bons influx, on va dire, invisibles avec Neptune. Donc on a vraiment des choses qui peuvent vous aider sur le point de vue spirituel. Ça peut être sur le côté comment dire, intuitif. Donc faites jouer votre intuition, votre foi aussi, qui est très important. Il faut garder la foi, c'est important pour plein de domaines que ce soit. Donc on peut vraiment suivre son intuition, parce que là vous serez vraiment guidé tout au long de l'année. Hein, en plus la planète est dans son signe, donc profitez-en, parce que ça va durer encore 1 ou 2 ans, après c'est terminé, et passera en bélier, hein, Neptune. Donc là vraiment une bonne peut être vraiment sur la même longueur d'onde, d'avoir vraiment une forte intuition. Donc ça peut être une belle relation avec un homme aussi, pourquoi pas, pour les femmes ou les hommes aussi, mais aussi une belle relation de manière générale. On se sent sur la même longueur d'onde, comme on dit, il y a beaucoup d'intuition, hein, vraiment. Donc tout ce qui a rapport avec le on va dire tout ce qui a rapport avec la spiritualité, le développement personnel, les choses comme ça, c'est assez conseillé, hein, c'est plutôt positif. Ensuite, vous avez le Soleil sextile Uranus en Taureau du 14 mars au 31 décembre. Donc ça, encore une fois, un très bon aspect. Donc pour se sentir à l'aise, indépendant, libre, changer un peu des habitudes, d'être un peu plus original, entre guillemets, hein. Donc il y a un sentiment de liberté là en vous qui peut renaître à partir du 14 mars. Et ça peut être vraiment voilà, pas mal d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous, un peu insolites. Hein, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et prendre voilà, de vous démarquer, hein, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Soleil sextile Jupiter en Taureau ensuite du 14 avril au 25 mai, donc là il y a un bon mois et demi où vous allez vous sentir pareil, épanoui, bien dans vos baskets, dans votre peau, malgré qu'en fond de toile, voilà, comme je vous l'ai dit au début, il y a peut-être encore des choses difficiles à régler, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des bonnes périodes au cours de l'année, hein. Ça c'est après là c'est général forcément. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous mettre en avant, à aller de l'avant, de faire tout ce que vous avez envie, par des gratifications, des honneurs, pour avoir des opportunités financières ou autres, hein. Soleil quinconce Mars ensuite en Sagittaire du 1er au 4 janvier, donc ça c'est les 4 premiers jours du début d'année, donc là peut-être une légère tension après les fêtes, bon c'est léger, hein, peut-être besoin de faire du sport pour évacuer un peu tout le plein d'énergie, on va dire des fêtes qui auraient pu un peu voilà, vous fatiguer, donc il peut y avoir voilà, une énergie un peu en berne entre guillemets, donc n'hésitez pas à vous requinquer. Ensuite Soleil opposé Mars en Capricorne du 1er au 13 février, donc là attention. À nouveau, ne pas rentrer dans des conflits, de ne pas se sentir trop dur, agressif, ou faites attention avec l'autorité ou dans le travail, ne pas recevoir trop de désaccords, hein, on peut se sentir un peu brimé. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Verseau du 11 au 22 mars, donc là, à nouveau, légère tension, ça peut être dans les groupes, les amitiés, tout ce qui aura rapport avec le collectif, mais pas que, ça peut être pour refaire des idées, pour agir. Pour des idéaux, enfin
pour refaire le monde, pour agir selon ses convictions, sur des choses qu'on veut peut-être réformer, enfin bref. Donc peut-être attention de, voilà, de pas être trop provocateur aussi en Verseau. Et Soleil Trigone Mars en Poisson du 18 au 30 avril, donc la très bonne énergie pour agir en fonction de votre intuition, encore une fois, donc n'hésitez pas à suivre votre voix intérieure. Il y a beaucoup de sensibilité, hein. Cancer, poisson, c'est deux signes d'eau, donc n'hésitez pas vraiment à suivre votre intuition à ce moment-là. Et Soleil, carré, Mars en bélier du 27 mai au 9 juin. Attention, là, encore une fois, à l'agressivité, au conflit, aux querelles, aux disputes. On est sous tension, là, donc attention pendant cette période de pas, voilà, de rester calme, hein, de ménager vous, et de ne pas rentrer dans des conflits si possible. Ensuite, Soleil sextile Mars en Taureau du 7 au 20 juillet, donc là plutôt bonne énergie pour agir, être productif, donc faire ce qui vous plaît, ça peut être au niveau matériel, professionnel ou relationnel ou autre. Soleil conjoint Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre, donc là bonne énergie. Alors tout dépend de l'aspect que reçoit donc cette conjonction. Si vous recevez plutôt des aspects conflictuels, en revanche là ça peut être un peu problématique. Il peut y avoir encore une fois de l'agressivité, de la tension émotionnelle. Donc on agit en fonction de ses émotions. Si c'est bien vécu, bah on agit positivement pour par exemple les siens, sa famille, son foyer ou autre. Mais dans un mauvais aspect que vous allez recevoir, attention de ne pas être trop querelleur et de ne pas rentrer dans des conflits stériles par exemple. Ensuite, Soleil sextile Lune noire en Vierge du 1er avril au 29 juin. Donc là. Bon aspect pour combler certains manques, hein. C'est un aspect de sublimation de manque. Donc ça peut être dans divers aspects de votre vie quotidienne, le travail, au foyer, dans des tâches quotidiennes à faire, ménagères ou autres. Donc il peut y avoir des choses à combler, certains manques, mais que vous saurez faire de manière intelligente et comment dire efficace. Alors c'est assez subtil, hein. C'est pas des choses qui sont forcément très perceptible, mais voilà, il y aura peut-être des idées que vous mettrez en place qui vous permettra de vous sentir bien à ce moment-là. Et Soleil carré Chiron en Bélier du 19 avril au 12 novembre, attention encore une fois à risque de blessure, de ce, comment dire, blessure de l'âme, blessure physique, on peut rentrer en conflit, il y a des choses qui peuvent nous blesser, que ce soit physiquement ou intérieurement. Alors selon les actions qu'on entreprend en Bélier, en rapport avec une autorité aussi, soleil, mais pas que. Donc ça peut être en vous, ça peut être en rapport dans vos relations, dans votre façon de faire, dans divers domaines. Donc encore une fois, ce sera dans votre thème personnel qu'on pourra un peu plus détailler, parce que là, malheureusement, ça reste très général, comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce que je peux dire sur les trois décans du signe du cancer. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter hein, si vous le souhaitez justement pour avoir plus de détails. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.